Le prince Charles, Lady Di et Camilla Parker Bowles formaient un trio amoureux dont les histoires et les rumeurs alimentent les médias. La princesse Diana faisait toujours une fixation sur Camilla. Bien avant son mariage le 29 juillet 1981, Lady Di était déjà préoccupée par le lien entre Camilla et Charles. Julie Montagu, une commentatrice royale, a fait des révélations au US Weekly, le mardi 12 octobre dernier. Elle a déclaré que la fixation était toujours présente dans l'esprit de Lady Diana. Cependant, elle soupçonne que la fixation a réellement commencé le jour même du mariage. Selon la déclaration de Montagu, la princesse Diana scannait la foule du regard pour trouver Camilla. La fixation a commencé le jour du mariage parce que nous savons que Diana a regardé l'énorme congrégation avec des milliers de personnes. Point, dit-elle. Et elle a vu, Camilla, elle l'a cherchée et, dans un sens, elle l'a regardée en disant, « Bien, il est à moi. » Je l'aille, elle continue. Montagu interprète cette scène comme une recherche de réconfort de la part de Diana. Elle voulait s'assurer de repérer Camilla dans cette assemblée pour se sentir réconfortée par le fait qu'elle est chez le vicaire et que Camilla est sur un banc, déclare-t-elle. Camilla Parker Bowles avait toujours été dans le sillage de Lady Di. Camilla Parker Bowles occupait toujours l'esprit Lady Diana, mais elle n'est pas la seule. Bien que marié avec elle, le prince Charles n'avait pas encore réellement tiré un trait sur Camilla. On peut en l'occurrence parler de ses boutons de manchette découvertes par Lady Di lors de sa lune de miel. La princesse y fait allusion dans son ouvrage Inner Wonders. Le prince Charles aurait confirmé que c'était un cadeau de Camilla qu'il a gardé. Mais tout au long de la vie de couple de la princesse Diana, Camilla faisait souvent partie du tableau. Selon Montagu, Camilla était toujours dans ce cercle même fait depuis le tout début de leur mariage jusqu'à la fin de leur mariage. Loading DJ.